moi, ce qui a été le déclencheur, c'est en 99. 99, j'ai fait un accident vertébral. J'ai fait une hernie discale paralysante et j'ai perdu l'usage de la jambe gauche. Donc là, on m'a opéré en urgence. Opération, bon, ça a bien marché et tout. Mais le problème, c'est que j'ai mis 3 ans pour récupérer. Parce qu'une fois qu'ils ont fait l'opération, bon, c'est tout. Notre boulot est fait, maintenant débrouillez-vous. À vous de jouer. Et alors, j'ai galéré pendant 3 ans. Et c'est là que j'ai utilisé cette ressource que j'avais. Et j'ai réussi à marcher et puis à fonctionner. Et mon médecin qui a vu ça m'a dit, bah, t'as un don. Pourquoi tu l'utilises pas pour soigner des personnes? Tu essayes et puis tu vas voir. Alors j'ai fait quelques essais et c'est vrai que c'était concluant. Et de là, bah, j'ai commencé. On a commencé surtout par des douleurs. Le problème des gens qui ont des problèmes de dos. Ça marche bien. On laisse faire et puis ça marche tout seul. Bon. Alors, j'ai cherché à comprendre et je me suis rendu compte que les gens sur qui je travaillais, c'est des gens qui étaient énormément stressés. Donc j'ai découvert au fil du temps que c'est le stress, l'excès de stress, les chocs émotionnels, décès, séparation, divorce, des gros chocs émotionnels qui créent des blocages. Alors la tête génère le blocage et ça fait un peu comme si on fermait des portes. Donc les portes fermées, ça empêche de circuler au niveau énergétique et ça crée le problème. Alors en fonction de sa faiblesse, bah, ça va générer telle ou telle chose. Moi le bobo ne m'intéresse pas. Moi ce que je recherche c'est là où ça générait le problème. Et quand on monte à ça, vous arrivez à faire tout partir en même temps, sur très peu de temps. Moi je fais une imposition de main et je laisse travailler. Alors on sent, ça chauffe, ça peut monter en température. Et à un moment donné, je sens, il y a une dose d'énergie qui est passée et le corps va se mettre à réagir. Il y a des gens, je leur pose les mains sur la tête, ils sentent, bon, ça passe, rien à ça. Jusqu'aux orteils, ils sentent ça circuler. Il y en a qui sentent du froid, il y en a qui sentent du chaud, il y en a qui sentent des picotements. Après, c'est un peu chacun son truc. Il y en a qui sentent rien. Mais ça passe. Moi, je sens, quand je donne, je sens que ça part. Et moi, les gens, quand ils me disent, ben, je suis passé par le circuit médical, ils m'ont dit, parce que dans 95% des cas, c'est comme ça, ils m'ont dit, ben, les médecins, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Ils ne voient pas ce qu'il y a. Il n'y a rien, aux examens médicaux, il n'y a rien. Ils ne comprennent pas pourquoi ça agit. Quand on me dit ça, bon, moi c'est du pain béni, parce que je sais qu'à ce moment-là, on est plutôt sur un blocage psychologique. Donc mon boulot, ça va être d'aller rechercher. Donc je vais faire un scannage du corps, avec les mains. Donc là, on va travailler sur un point d'énergie, énergétique, et on va rechercher là où ça bloque. Où il y a des blocages, on va rebalancer en énergie pour ouvrir, pour refaire circuler. Mais je ne travaille pas un problème, je travaille un corps. Toujours, il faut. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait travailler le corps dans son intégralité, ce qui permet de tout balayer. Donc, on travaille le tout, de toute façon, tout ça, il faut que ça fonctionne en énergie. Parce qu'on peut jouer, sur le diabète, sur la tension, sur. Quand ce sont des maladies qui sont déclenchées par. On vient toujours sur une histoire de stress. Quand c'est déclenché par des blocages, vous faites sauter les blocages. Moi, je dis aux gens, tentez, vous êtes sous quoi? Vous avez quoi comme médoc? J'ai ça, ça, ça. Bon, faites surveiller par le toubib, parce que comme je fais réagir votre corps, si c'est un problème de blocage qu'on régule, bah, si vous prenez des trucs pour le cœur, c'est plus nécessaire, vous allez retrouver le cœur qui... Top, top, top. C'est pas bon. Moi, j'ai un pote qui est cardiologue, il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, tu as 75% des problèmes cardiaques qui sont liés au stress. Ils ne sont pas liés à un problème cardiaque mécanique. C'est lié à un état de stress. Tu régules l'état de stress, tu solutionnes le problème. Moi, je ne guéris pas les gens. On dit guérisseur, non, c'est faux. Guérisseur, c'est quelqu'un qui va déclencher la guérison. Je pratique l'art de la guérison, c'est-à-dire, c'est un art. Pour ne pas dire une médecine, parce que pour ne pas avoir de problème, parce que la médecine, c'est protéger. Donc, c'est l'art de la guérison, c'est l'art de générer la guérison chez une personne, la déclencher. Et une fois qu'on l'a déclenché, la personne va s'auto-gérer et va automatiquement se remettre en fonctionnement. Je travaille aussi sur les fibromyalgies. C'est une maladie, ils sont encore en train de chercher comment ça marche, parce qu'ils ne la connaissent pas, ils n'ont pas de solution. La solution, c'est morphine et puis antidépresseur. Et puis pour finir, pour essayer de soulager les gens, parce que c'est grosse douleur, grosse fatigue. Alors, vous avez plusieurs étages, et les plus gros étages, c'est les gens qui sont grabataires. Et la fibromyalgie, ben, c'est pas une maladie,
c'est un état de stress important. Tout s'est verrouillé. Et quand on arrive à trouver où ça bloque, qu'on libère, ben là, c'est miraculeux. De grabataire, vous passez à... Vous refaites du footing. Une fois que vous avez débloqué le corps, et ça se soigne très bien comme ça. Et si vous passez par le milieu médical, ben, il patauge lamentablement parce que c'est pas avec des médocs qu'on arrive à soigner ça. Bon, par contre, si vous avez une infection dentaire à tout, qui a besoin d'antibiotiques, ben, il faut les prendre. Moi, je vais jamais contre un traitement. Le gars qui a un traitement médical, c'est pas mon domaine. Il voit son toubib, il se débrouille avec. Moi, je travaille pas là-dedans. Par contre, je vais venir en complément. Maintenant, si vous tombez d'une échelle, bon, je suis mécanique, vous êtes tombé, vous êtes fracturé un truc, il faut que ça se ressoude. Le corps, il ressoude. Hein. Alors maintenant, c'est bien parce qu'ils vous mettent des broches, des trucs, pour ça ils sont forts, il n'y a pas de problème. Là-dessus, ils sont au point. Ils peuvent vous foutre une prothèse de jambe qui part de la cheville, qui arrive jusqu'au genou, jusqu'à la hanche. Hein. Ils peuvent vous faire une jambe artificielle. Hein. Maintenant, on peut tout faire. Hein. Mécaniquement, c'est formidable. Mais ce qu'il y a, c'est quand vous provoquez votre... Quand vous provoquez votre maladie. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse justement reconnaître et valoriser cette chose-là, parce que c'est fantastique de pouvoir apporter un mieux-être aux gens, comme ça, naturellement, en faisant juste réagir un corps. On n'a pas besoin de plus. Et si ça ne marche pas, on va aller plus loin. Mais on peut déjà commencer par ça. Bon, le problème, c'est qu'on a un système de médecine qui est, je trouve, dommage. C'est qu'ils font des choses fantastiques, mais la médecine est dirigée par des laboratoires pharmaceutiques qui veulent avoir la main mise. Ils veulent tout régenter par la chimie. Et je m'excuse, mais il y a des tas de choses comme ça, ce que je vous ai dit avant, qui ne se travaillent pas par la chimie. On arrive à solutionner naturellement. Et il n'y a pas une médecine, il y a des médecines. Vous avez l'acupuncture, vous avez l'homéopathie, vous avez les huiles essentielles, les fleurs de Bach, ce que je fais. Donc il y a un tas de choses qui existent. Et moi, je dis qu'il faudrait utiliser ce qui correspond mieux à la pathologie. Et commencer par des choses douces et pas commencer par l'artillerie lourde comme on fait maintenant. Moi, ils font rigoler. On peut pas prouver scientifiquement. Bon, il y a des choses qu'on peut prouver scientifiquement qu'ils veulent pas admettre. Je sais pas, moi, sur 15 000 actes de guérison que j'ai pu faire dans ma vie, vous avez de quoi faire au niveau statistique. Hein. Vous savez, un gars qui arrive avec des béquilles, hein, qui s'est pas posé le pied par terre, vous y remettez son pied, son entorse, il s'en va en marchant avec ses béquilles sous le bras, je sais pas ce qu'il leur faut, quoi. C'est parlant, ça. Hein, le gars qui fait des migraines sur migraines, qui bouffe des cachetons à tire-larigot, vous y faites deux séances, il n'y a plus de migraines pendant 6 mois, c'est parlant. Je sais pas, il y a la petite vieille qui a son bras bloqué, vous y débloquez, elle se lève, elle fait son bras, elle peut se coiffer, elle peut se machin, ça va, plus de douleur, elle prend plus de médoc, c'est parlant. Il faut ouvrir les yeux, quoi. Il faut reconnaître les choses. Moi, je dis, il n'y a pas de mauvais guérisseur. Et, de toute façon, les charlots, ils tiennent pas la route, parce que, vous savez, on marche comment? Par... bouche-oreille. Hein. Si vous allez voir un gars qui... Vous n'allez pas le recommander. S'il n'est pas bon, surtout n'y va pas. Vous savez, le bouche-oreille négatif, il est vachement plus puissant que le bouche-oreille positif. Hein. C'est les gens sont sceptiques, mais c'est normal. Bon, ils connaissent pas, c'est vrai que... c'est bizarre. Moi, l'autre jour, j'ai un gars qui m'amène sa femme, qui s'était tordu la cheville, je lui remets, elle repart en marchant, il me dit, tu t'es foutu de moi, t'avais rien. Le mec, il m'a dit, tu t'es foutu de moi, t'avais rien. La preuve sous le nez, ils ne comprennent pas. Ça résume tout, quoi. Le problème, c'est qu'on est seul. On est très seul dans ce métier-là. Et puis, on n'est pas aidé parce que, comme l'entourage vous demande si vous n'avez pas fumé la moquette, moi, quand j'ai basculé dans cette voie-là, au niveau familial, vous savez... On regarde un long l'œil, il dit « qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Parce qu'ils vous connaissent, hein. Donc « qu'est-ce qu'il nous fait là ?» L'extérieur, ça passe mieux. Mais on n'est pas aidé. Il faut qu'on ait une certaine force pour pouvoir surmonter tout ça. Et puis, et au début, on se pose des questions. On dit « est-ce que c'est la voie ? Est-ce que je fais pour fausse route ? Est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai ? Ça marche pas ?» Puis au fur et à mesure qu'on fait, on a les résultats, donc on les additionne. On le fait une fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Bon, là,
à force d'additionner les résultats, on dit bon, bah, ça fonctionne, on sait que ça, ça marche. C'est sûr que si, ça peut aider. À la guérison, ça peut aider. C'est un peu une forme d'auto-hypnose. Mais le cerveau, c'est quelque chose de puissant. Ce qu'on suggère, c'est vachement puissant. Quand je travaille sur quelqu'un, je me connecte sur son inconscient, par la pensée. Et je demande au corps de réagir. Et je vois que ça fonctionne bien. Suggérer aux gens, il y a un problème, je veux aller sur ce problème, je veux que le corps réagisse, je veux qu'il me remette en route cette fonction-là. Je lui demande de réagir. Je demande de créer la réaction. Sans parler à la personne. Personne ne le sait pas. D'abord, quand je travaille, j'ai toujours les yeux fermés. Puis en semi-conscience, quand c'est comme ça. Je ne parle pas quand je travaille. Je suis entre deux mondes. Et le gong, je le travaille. Pareil, je vais le travailler. J'ai une main sur le sommet de la tête de la personne. Et je travaille donc. Alors, en fonction de ce que je vais ressentir sur elle, je vais l'activer. Plus ou moins fort, plus ou moins vite. Alors, ce qui est intéressant avec le gong, c'est que lui, c'est un tsunami. Il passe à travers le corps. Et puis il va faire relâcher l'ensemble. Ça, il faut vivre le truc. Il n'y a que quand on le vit que vraiment là, on perçoit la chose. Avec du gong ou du bol, il y a certaines personnes, quand ils savent se relâcher comme il faut, on arrive à faire des montées en transe. Là, on va faire ressortir des traumatismes qui peuvent revenir, qui peuvent remonter à même avant la naissance. Et là, on va faire ressortir des choses. On va faire revivre certaines choses. Donc, pour les faire sortir, pour les expulser. Et c'est libératoire, quoi. Et il y a des personnes qui s'en servent pour voyager. Hein, ils font des sorties de corps. Ils font des voyages. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on arrive à ça, quand on arrive à faire une sortie de corps, on sort de notre système, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace-temps. Vous allez faire une sortie de corps pendant 30 secondes, par exemple, mais en 30 secondes, vous pouvez vivre des choses comme si vous avez vécu pendant des heures ou des mois. Il y a des gens qui se retournent, il y a des gens qui font des bonds comme ça sur le matelas, qui font le bond complet. C'est impressionnant. Au niveau du corps, il y a des torsions, il y a des gens qui pleurent, qui crient, qui disent des choses qui sont incompréhensibles. Des fois, c'est même pas dans la langue. Bon, on ne sait pas d'où ça sort, mais ça sort. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin, elles sont apaisées. On a enlevé un poids qui leur pourrissait la vie depuis un certain nombre d'années, et là, ils sortent.